Abdoulaye sur le front de l'attaque. Salut de Chagé, que nous viendrons encore des bas quartiers de Yopougon. Et puis Samassi, le centre de Samassi, qui est là encore, Serge Badiou. Ouais. Encore lui, Serge Badiou. Très très grand match de Serge Badiou. L'accélération peut-être la dernière. Avec Kipre Thiagouri, il a fait la différence à Kipre Thiagouri. Ils sont deux. Au deuxième poteau, il donne ce ballon. Certainement le troisième but. Oui, c'est fait. La correction infligée à l'équipe de l'Azina Begourou, qui est l'homme du match. Ce soir, tout a réussi à ce garçon. Il a été placé dans les bons endroits pour faire foi. Il a fait la différence. Bravo à... Meilleur choix. Allez, avec Thiagouri justement. Il va essayer de trouver Coran Koulibaly. Oh, Coran, attention! La frappe! L'ouverture! Très bien donné à la 43e minute. Sur l'FC, fini enfin! Pas trouvé le chemin défilé. Kipre Thiagouri a été malheureux à deux reprises. Mais Sanogo Abou a eu le plat du pied parfait. Il y aura deux autres matchs de feu à disputer. Ça joue vite. Ouais, se couvre avec ce. Ballon, se surpris toute la défense et même le portier Sombra Ousmane à la 75e minute. C'est l'Azina Begourou. Ouais. À défaut. Ah oui, Moussa. On va loin devant. Ah, super. Pour l'autre Sanogo Abdoulaye. Il doit mettre dans la course de Coran. Attention, Sanogo. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Trop de gris-gris, monsieur Sanogo. Diabaté, où là? Diabaté! Oh non! C'est beau et c'est efficace. Pointu juste derrière, ça fait but pour Sol. C'est merveilleux. Bravo, le garçon. On aime ça. Oh là là, regardez. D'abord la percussion. Là, il a fait un peu trop. Mais derrière, il donne le ballon à ce joueur. C'est lui qui fait la différence. Regardez hop là, le contrôle. Et puis le pointu juste derrière. C'est merveilleux. C'est formidable. Et voilà ce que ça donne la Ligue 1 ivoirienne. Il y a de la qualité, il y a du talent et il y a des beaux buts. Regardez, comme il se débarrasse de son adversaire. Ce contrôle, excellent, merveilleux. Et ça donne but. Là. Il y a du Vinicius à l'enchaînement. Oh là là. Le dribble. C'est formidable. Ah, ça, c'est le talent de l'individu. Diabaté Ibrahim, regardez. Hop là. Ah, il a déposé ses dribbles. Oh, que c'est beau. Ça, c'est un contrôle en Ligue Champions League. Hein. Contrôle Champions League, faux train, contrôle orienté. Tout est dedans, tout est compris et c'est efficace. Sol FC a pris 3 buts à 1 face à tire cette défense de Boaké. Attention, Sol FC dans la surface de réparation. Et but. L'égalisation intervient. Deuxième but de la saison. Ouais, c'est cherché. Hein. Ils sont allés chercher ce but-là. Ils percutent depuis le début de la seconde période. Et puis, avec beaucoup, on va dire, de vigilance. Hein. Ils voient le ballon qui traîne dans cette surface-là. Et puis, il met son pied tout de suite. Il frappe le ballon hein, de la pointe pratiquement. Et ça fait but. C'est... Ils sont allés chercher ce but-là, les garçons. Ils sont allés percuter cette défense de Boaké. Et ce ballon qui traînait là, il n'a qu'à mettre son pied, frapper ce ballon. Le gardien est surpris. Hein. La spontanéité de l'attaquant. Voilà, juste le geste de l'attaquant. Hein. C'est vraiment le geste de l'attaquant. Le ballon traîne. Pas besoin de chercher midi à 14h. Il frappe et ça fait but. Et rassurer sa défense. Oui, il faut venir. Il faut venir à côté de Koné. Vous avez vu, hein. Dès qu'il a le ballon, il y a possibilité sur le côté droit. Mais là... C'était sur le côté gauche. Abdoulaye, Sanogo va mettre en danger. Lancé de Soumaoro, il est passé. Sanogo, allez, le petit tacle. Penalty. Et pourtant, il avait le ballon. Hein. Il avait le ballon. Sanogo, vous voyez hein. Belle intervention du gardien. Et puis voilà, il percute. Et tout de suite, il va de l'avant. Regardez le geste défenseur. Il a le ballon. Il a le ballon. Il s'y prend très mal. Hein. Non, monsieur Kounan, non. Il a le ballon. Non, monsieur Kounan. Et il se relâche et puis derrière. Non. Il met la main, ça fait pénalty hein, pour Sol. Voilà, il a le ballon, il peut dégager le ballon. Ah, il s'y prend très mal. Non, hein, non, c'est très, très mal joué. Équipe. Voici Pierre Camboré. Il est passé Sanogo. Le retrait dans l'axe. La frappe. En 2 minutes pour voir la première frappe non cadrée. Du Sol FC dans la surface de réparation. Très bien joué, intelligemment. Le ballon en retrait. Malheureusement, la frappe n'est pas cadrée pour inquiéter le gardien du Sela. Mais c'est très bien joué. C'est très à la présence de Siri qui est le capitaine. Le ballon perdu tout de suite
Et c'est Sol FC avec Kipri, Tiagouri. Ah, c'est bien joué. Tiagouri, ce ballon avec l'équipe de Sol. La frappe de Yannick Obité. On se retrouve dans l'élite. Bravo à ces garçons, ils ont encore du chemin, encore du travail. Mais c'est toujours bon pour un père de venir accompagner ses enfants. Allez, on va suivre cette action. Allez, il peut frapper au but. Il doit frapper au but. Il doit frapper au premier poteau. Attention, il donne sur Salif Traoré. Allez, Sanogo Abou qui va inquiéter à nouveau cette défense. Ils sont trois, mais ça ne passe pas. Il résiste. Il va garder ce ballon. Il faut plonger. Il faut l'accompagner. La frappe de Kinafo Ibrahim. Kinafo Ibrahim, ouais. Dans les gants. Et c'était Sanogo Aboulaye. Sanogo Aboulaye. Le sang de Sanogo, la tête. Et pourtant, le retrait à la sixième journée. Mais pour cette manche retour, après 45 minutes, le score de 1-0 en faveur des Boakwa, Eric. Oui, effectivement. On a eu une bonne première mi-temps, solide, on va dire, hein, deux équipes. Un peu plus de jeu côté sol, mais Boaké dans son registre. Le ballon dans l'axe. Tout en efficacité. Diabète et pour Koné, un autre, c'est Koné Khalil qui va rentrer dans la surface de réparation. Khalil, à la frappe est manquée. Khalil a toujours le ballon. Il va perdre le cuir vers Bahi Moïse, le latéral gauche qui cherche de l'autre côté. Ah ouais, ça, allez, Koro Koulibaly. Il aime. C'est excellent, hein, ces ballons qu'ils envoient sur les côtés. Chaque fois, ils prennent le dessus, hein, les joueurs de sol. Diabaté, Sanogo. Sanogo Abdoulaye, le centre, champ pour changement de côté. C'est super. Vers Koro. Oh, c'est super. Sur le ballon. Ah, il va tenter un double contact qui ne réussit pas. Un flip. Oui, flip-flap. Flip-flap, comme tu aimes bien le dire. Hein. Pas aussi. Flip-flap. Ah, double contact, ça, il faut être nécessaire. Ah, c'est bien joué. Sanogo. Oh, il a tardé, Sanogo. Ça... La frappe, c'est ce qu'il essaie de faire, malheureusement. Regarde cette action déjà. Il essaie de remettre ce ballon là, faire un retrait, la sortie. Il essaie, ouais, il se déhanche véritablement. Ouais. Mais c'est pas son bon pied, donc évidemment, ça n'a pas la même qualité de. Son Dabobo toujours, on a le ballon avec Kabore. Kabore Pierre Landry, on trouve Sanogo. Sanogo a remisé sur Kabore. Le retrait, va-t-il le réussir? Oui, le gardien en deux temps. Il était vif, hein, il s'est bien donné, hein, dans le bon tempo. C'est là où sont en difficulté. Il n'arrive pas, son centre n'est pas parfait. Hein, il n'arrive pas à tourner la cheville, ramener le ballon vers ses partenaires. C'est sur le gardien, c'est bien dommage. Il le capte en deux fois, mais ce ballon lui était offert. Voilà, vous voyez, hein, sur cette action, voilà, il fait la passe au gardien pratiquement. Hein. Pour la visite médicale. Tout à fait. Pour le chat. Ouais. Après, il y a eu un problème administratif que je n'ai pas envie de vous expliquer. D'accord. Mais qui n'est pas la faute de la fédération, c'est clair. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je disais tantôt que l'entraîneur l'a détecté. En fait. Attention, ouais. Attention, Sanogo. Attention. Il va rester debout. Il pouvait tomber, on l'a poussé. Mais voilà. C'est ce que son coach lui demande. En ce moment. Voilà, en ce moment-là. Ah, là. Khalil, vous dites? Non, c'est ce que son coach lui demande. Ah, mais voilà. Comme tous les dimanches, hein, le trophée à plus de voix d'homme du match. Ce soir encore, nous avons un autre récipiendaire, on va le dire ainsi. C'est le numéro 3 de cette formation de Sol FC qui réussit à avoir une victoire et qui va être récompensé par un ancien international ivoirien, Lassina Dao, qui est venu apporter ses encouragements. Félicitations à toi, Sanogo. Voilà, Lassina qui va remettre ton trophée. Voilà. Ça prouve que tu progresses de jour en jour. Je sais qu'en 2018, j'étais eu en sélection U17. Aujourd'hui, tu es en équipe première. Et voilà, je suis très heureux de te remettre le trophée du meilleur joueur du match. Je te dis félicitations et continue de travailler pour aller encore plus loin. Merci. Lassina Dao a tout dit, hein, te concernant. Félicitations à toi. Un mot sur l'ensemble du match. Bon, dans l'ensemble, je peux dire que bon, on a été bon parce que bon, après le premier but, ça n'a pas été facile pour nous de revenir. Voilà, je peux dire bravo à toute l'équipe et au coach qui nous a motivés à chaque moment qu'on avait besoin d'eux. Voilà, je peux dire merci. Bon, grâce à eux, on est revenu et on a su gagner le match. En tout cas, tu as les félicitations de Carlos et Babou Eric qu'on va laisser prendre la suite de cette émission. Voilà, Sanogo Abdoulaye qui a le ballon à main. Jean-Sylvain Resso, c'est sûr qu'il ira avec ce ballon puisqu'il a signé un triplé. Abdoulaye, alors c'était surtout important de gagner ce soir. Vous avez perdu 2-1 lors du match aller. Et ce soir, vous gagnez 3-0 grâce à un triplé. Hein, c'est vos trois premiers buts de la saison. Ah oui, on avait besoin de cette victoire. En tout cas, bon,
vu le classement, on n'était pas bien placé. Donc le coach nous a tout dit de gagner. Et bon, comme on le dit, les trois buts, bon, ça fait un bon moment, je joue que je ne marque pas, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai pu marquer les trois buts pour qu'on souffle un peu, quoi. Alors là, vous avez 28 points, une seule victoire vous suffira donc pour vous maintenir en Ligue 1. Vous affrontez le FC San Pedro et le Racing, c'est les deux derniers matchs. On va dire dans quel état d'esprit vous allez jouer donc ces matchs qu'on considère comme des finales pour vous. Oui, on reste toujours positif et on reste toujours positif et concentré. Voilà, ce qui vient de se passer, c'est déjà passé. Bon, on va essayer de se concentrer, essayer de travailler plus encore, revenir plus fort pour les deux prochains matchs. Jean-Sylvain, cette belle victoire des hommes d'Abobo qui s'impose pour la première fois de l'histoire face à l'Azida Bengourou.